Bien. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Il est 14h. On va pouvoir démarrer ce webinaire qui aujourd'hui est dédié à la création, rédaction, formalisation d'un cahier des charges pour votre projet e-commerce. Pendant 30 minutes à peu près, je vais vous parler un petit peu de ce sujet-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc je n'aurai pas forcément l'occasion de tout aborder. Aussi, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les taper dans le chat et j'y répondrai à la fin de manière à pouvoir vous apporter une réponse détaillée. Pour me présenter, je suis Marine Sorocco, directrice associée d'Adimeo. Et à ce titre, depuis 15 ans, j'accompagne mes clients, mes partenaires dans les enjeux de réflexion stratégique, de réalisation des projets, des plateformes digitales. Et on accompagne, moi avec les équipes Adimeo, on accompagne nos clients à chaque étape de ces processus de transformation, que j'utilise transformation tout court, parce qu'une transformation digitale, c'est aussi une transformation d'organisation. Et on va le voir particulièrement dans ce contexte d'e-commerce, la mise en place d'un processus e-commerce nécessite une transformation de fait de l'organisation. Et pour accompagner nos clients dans ces transformations, dans ces mutations-là, on propose quatre métiers complémentaires. On accompagne nos clients dans tous les enjeux de conseil et de stratégie, de définition d'écosystèmes, de préconisation, d'audit globaux d'écosystèmes pour comment amener effectivement cette transition vers l'e-commerce. On va travailler beaucoup sur les enjeux de design et d'innovation. Comment est-ce que dans ma plateforme, je suis capable de prendre en compte les besoins de mes utilisateurs, de mes cibles, pour être en capacité de créer la plateforme la plus efficace et qui, de facto, m'apportera le ROI le plus important. On vous accompagne également dans tout ce qui est production technique, à proprement parler. On met en musique toutes les recommandations qui ont été réalisées au préalable. Et puis, on va vous accompagner dans tout le marketing et l'animation de vos dispositifs en termes de référence, de content marketing, de stratégie de contenu et d'analyse de data pour être en capacité de faire progresser et évoluer vos plateformes. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet, il est vrai que quand on a un projet e-commerce, qu'il s'agisse d'une refonte, d'une création ex nihilo d'un projet, on a souvent des réflexions suivantes. La première, c'est déjà d'une, sans doute vous n'allez pas y aller tout seul, mais comment est-ce que je fais pour identifier le bon prestataire, identifier la bonne solution, tellement l'offre est pléthorique aujourd'hui en termes de réponses techniques, réponses fonctionnelles, organisations et agences qui peuvent m'accompagner sur ce sujet. Et c'est là, c'est vrai, quand on n'est pas du métier, c'est effectivement extrêmement difficile. Et surtout, à cela naît une angoisse assez importante, c'est comment est-ce que je suis sûr de faire le bon choix? Et puis, effectivement, quand on n'est pas du métier, c'est ce que je disais, identifier le bon prestataire, la bonne solution, ça requiert une certaine méthodologie, une certaine expérience, et bien évidemment, c'est pas toujours simple. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire et qu'on est là pour vous accompagner dans ces démarches. L'enjeu aujourd'hui, dans cette demi-heure, c'est de vous donner des clés, l'une des clés pour réussir votre projet e-commerce. C'est-à-dire que quand on se pose la question quelles sont les clés pour réussir mon projet e-commerce, l'une des réponses, ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres, c'est effectivement de démarrer du bon pied. Et pour démarrer du bon pied, il faut avoir fait un bon cahier des charges. Alors certains adeptes des méthodos agiles, si vous êtes parmi nous, vont me dire, on ne fait pas de cahier des charges dans une méthode agile, etc. Oui, certes. On verra un peu plus tard que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Le cahier des charges, il a pour vocation, effectivement, quand vous allez consulter un prestataire, d'exprimer vos besoins. Il a vocation aussi de clarifier votre besoin parce que, pour paraphraser Boileau, ce qui se conçoit bon, bien s'énonce clairement et c'est sans doute la preuve que votre projet est suffisamment mûr si vous arrivez à l'écrire noir sur blanc. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon cahier des charges? C'est une question rhétorique, vous allez me dire, mais un bon cahier des charges, c'est celui qui est capable de prendre en compte votre environnement avant tout. Votre environnement métier. Qu'est-ce que vous vendez? Quel est votre business model? Est-ce que vous vendez du service? Est-ce que vous vendez du produit? Est-ce que vous vendez de l'abonnement? Quels sont vos points de différenciation par rapport à vos concurrents? Et c'est là où, justement, dans votre environnement, vous allez devoir prendre en compte votre environnement concurrentiel. Dans un bon cahier des charges, j'ai des exemples de mes concurrents proches ou de e-commerçants qui font très bien les choses. Ça prend en compte votre environnement technologique. Forcément, si vous êtes une boîte existante, vous avez un ERP, vous avez un CRM, vous avez un gestionnaire de catalogue, vous avez des flux logistiques qui préexistent, etc. Donc, ça doit prendre en compte votre environnement technologique existant, et ça doit prendre en compte, bien évidemment, celui de vos utilisateurs.
On sait très bien, par exemple, que construire un projet d'e-commerce en Afrique, on ne va certainement pas se préoccuper des questions de desktop, d'environnement, de terminaux portables, de terminaux desktop classiques, puisque tout se passe en mobilité. Et puis, on va aussi se préoccuper des questions internes. Comment vous êtes organisé? Quels sont vos processus? Quelles sont vos contraintes? Et ça va être hyper important parce que la réponse du prestataire va dépendre de la manière dont vous-même, vous allez aussi, vous, piloter le projet et quelles sont les prestations que vous allez vouloir lui dédier. Il faut voir le cahier des charges comme un outil au service de la réussite de votre projet, pour plusieurs raisons. Un, ça va vous permettre de sécuriser le projet, sécuriser le budget et les délais. Parce que vous allez avoir décrit tout ce que vous voulez, théoriquement, vous n'avez rien oublié, donc le prestataire va s'appuyer dessus pour vous dire ça va vous coûter tant et ça va me prendre tant de temps. Théoriquement. On verra que dans la vraie vie, il faut souvent quand même prévoir un petit peu plus large pour les à côté. Ça va aussi faciliter le choix du prestataire. Projet. Forcément, entre un projet A et un projet B, dans un projet A, vous allez avoir des flux métiers très particuliers, vous allez vouloir mettre en place une marketplace, et dans le projet B, vous allez juste vendre de l'abonnement et de la prestation. Et face à ces besoins fonctionnels-là, vous n'avez pas les mêmes prestataires qui peuvent y répondre, parce qu'on n'est pas tous spécialisés sur le même segment. Ça va aussi être le moyen, le cahier des charges, de tester la pertinence de votre prestataire. C'est-à-dire que le prestataire, dans la réponse qu'il va vous faire, il va déjà vous apporter des réponses à des questions que vous posez, et c'est en le challengeant dès à présent dans le cahier des charges que vous allez pouvoir vous rendre compte de vous dire « Ah, est-ce qu'il est pertinent pour mon besoin? Est-ce qu'il a déjà les réponses à mes questions que je me pose ?» Et puis, ça va aussi garantir le niveau de qualité et de fonctionnalité équivalent avec vos attentes et vos besoins. Je prends un exemple, de délai de disponibilité. Si vous exigez de la part de votre prestataire que la page d'accueil s'affiche en moins de 500 millièmes de seconde, ça va pas être le même outil, ça va pas être le même prestataire que celui pour lequel vous allez tolérer éventuellement une ou deux secondes d'affichage de plus. C'est un petit exemple, mais encore une fois, en fonction des critères d'exigence et de ce que vous acceptez, vous n'allez pas avoir les mêmes solutions ni les mêmes prestataires. Alors, je reviens un peu au basique, mais l'autre question à laquelle il faut qu'on réponde aussi, c'est qu'est-ce qu'un site e-commerce? Vous allez me dire, c'est facile, ça vend des produits en ligne. Oui, mais en fait, non. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut prendre en compte quatre grandes briques. Et sur chacune de ces quatre grandes briques, vous n'avez pas forcément une réponse équivoque, vous n'avez pas forcément les mêmes prestataires, donc parfois un cahier des charges, vous allez pouvoir le décomposer en plusieurs lots, en plusieurs cahiers des charges, pour faire différents appels d'offres. La première brique, c'est la brique d'acquisition. J'ai souvent tendance à dire que vous aurez beau dépenser 100 dans le développement d'un site e-commerce, si vous ne mettez pas au moins 100 en acquisition, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de construire un site e-commerce qui ne sera pas vu, qui ne sera pas visité. Donc l'acquisition, c'est mon référencement naturel, mon référencement payant, ma stratégie de contenu, comment je travaille avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, etc., etc., etc. Il y a quantité de sujets à travailler sur la thématique de l'acquisition. Et plus tôt vous commencez, mieux vous vous portez, parce que Google privilégie aussi l'antériorité de ce qui est publié. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de transformation. C'est souvent le truc qui est le plus visible. Comment je crée mon catalogue, quels sont les contenus que je mets en place, quel est le marketing mix, les promotions, etc. Comment est-ce que je personnalise mes contenus, comment est-ce que je mets en place des emails de relance pour, par exemple, les paniers en bas de données, comment est-ce que je propose la comparaison des produits, comment mon moteur de recherche fonctionne, est-ce que je lui propose de l'autocomplétion, etc., etc. Ça, c'est la partie, j'allais dire, le plus simple, c'est le descriptif fonctionnel, et c'est ce que propose généralement, nativement, toutes les solutions e-commerce dignes de ce nom. Vous allez avoir la partie un peu moins visible, qui est la question de la logistique et de la gestion des flux. Amazon, le champion, le roi incontesté de l'e-commerce, pourquoi est-ce qu'il est aussi fort aujourd'hui? C'est parce que c'est le master de la logistique. On en entend parler de ces gigantesques entrepôts qui poussent comme des champignons partout dans le monde, où tout est automatisé et où, effectivement, le respect des valeurs humaines pose question, ça c'est une autre question. Mais la logistique, la gestion des flux, si vous vendez des produits, est clé. Parce que c'est potentiellement quelque chose qui va vous coûter beaucoup d'argent si vous le faites mal, et c'est là où vous allez pouvoir préserver votre marge si vous le faites bien. Donc, comment vous gérez vos stocks? Comment vous gérez vos flux? Quelle est la livraison que vous mettez en place? Est-ce que vous faites appel à un tiers? Quels sont les paiements, systèmes de paiement que vous mettez en place? Est-ce que c'est des paiements que vous faites via votre banque, votre système de VAD de banque traditionnelle? Est-ce que vous faites appel à des fintechs qui sont spécialisés dedans et qui vont peut-être vous prélever des commissions un peu plus élevées, etc., etc. Et enfin, le dernier élément, qui est l'élément qui
peut paraître un peu comme étant la cerise sur le gâteau, mais on sait qu'un client fidèle coûte beaucoup moins cher qu'un client à acquérir. C'est comment est-ce que j'engage mes clients dans une récurrence d'achat, dans une fidélisation, pour que ces clients deviennent eux-mêmes ambassadeurs de mes produits et recommandent à d'autres de les consommer. Ça, c'est toutes ces briques qui font votre projet e-commerce. Et puis, derrière, il ne va pas falloir oublier également tout ce qui est sous-jacent à ce qui est visible, c'est comment est-ce que vous gérez vos données, la facturation, la base client, les informations de contenu, le catalogue produit via le PIM, le Product Information Management, comment je gère les visuels, les médias, bref, tous ces entrepôts de données, ce qu'on peut appeler Data Lake, qui aujourd'hui vont venir consolider votre plateforme et faire en sorte qu'elle soit la plus performante possible. Et puis, il y a un autre enjeu aussi dans le e-commerce qu'il faut prendre en compte. On a plein de mots un peu jargonneux aujourd'hui, l'omnicanalité, le web to store, le drive to store, le fameux robot, comment est-ce que je fais venir les gens en magasin avec, grâce au web, le digital. Toutes les mécaniques digitales que mettent en œuvre les marques pour soit faire venir leurs clients en magasin physique, le fameux drive to store, soit toutes les mécaniques que mettent en œuvre les marques pour faire en sorte qu'on crée une valeur ajoutée à l'utilisation du digital. Et il est vrai que la crise Covid a particulièrement mis en exergue ces dispositifs, notamment avec les mécaniques de drive, les prises de rendez-vous en ligne, où en fait le web devient un élément clé de la phase de transformation, de la phase d'achat. Et qu'un client web, un client aujourd'hui d'une boutique physique, passe certainement beaucoup plus de temps sur le web avant de venir en magasin. Et on a plein d'exemples à citer comme ça. Il y a Sephora qui a des bandes connectées en magasin qui permet à ses vendeurs de savoir exactement qui sont les gens qui sont dans le magasin pour leur fournir des conseils personnalisés. Il y a Zadig & Voltaire qui a mis en place des jeux concours pour faire venir les gens en magasin. Ou encore, il y a les fameux SMS promo, ça paraît basique, mais ça marche hyper bien, qui vont fournir en magasin, typiquement Maison du Monde, qui vous envoie un SMS en vous disant « Attention, venez dans votre magasin de Boulogne-Billancourt parce que vous avez moins 30 sur tel et tel produit. » Grâce à des systèmes de géolocalisation. Tout ça, bien évidemment, si vous êtes dans le cadre d'un projet qui mêle physique et digital, il ne faut pas l'oublier parce que il y a un gros risque de phagocytage du commerce traditionnel qui vous fait vivre aujourd'hui par le digital. Donc, il faut trouver la bonne combinaison des deux qui fait que 1 plus 1 égale 2 et non pas 1 plus 1 égale juste 1,5. Alors, pour rentrer dans la question des différentes étapes de la méthode, on va retenir 5 étapes dans la méthode. Alors, je pourrais les décomposer un peu plus, mais en tout cas, c'est pour présenter un petit peu le schéma. La première étape, voilà, avant cette étape-là, la question que vous devez vous poser, c'est qui rédige le cahier des charges. Naturellement, je vais dire, c'est le porteur de projet. Parfois, pour X raisons, le porteur de projet n'est pas forcément opérationnel, disponible, ne serait-ce que parce que peut-être il ne connaît rien à l'e-commerce. Donc là, effectivement, quand on rédige un cahier des charges e-commerce, il faut idéalement connaître un certain nombre de choses. C'est pour ça que utiliser un prestataire, une boîte telle que Adimio, par exemple, peut vous aider à formaliser mieux votre besoin, et être sûr que vous allez être sûr de ne pas vous planter. Et puis, il faut aussi que ce soit une personne qui ait une excellente vision du métier, du business model, pour être capable de le retranscrire fidèlement dans l'environnement web et être capable aussi de jauger les éventuelles adaptations qu'il faut mener. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'une transformation d'un processus physique en processus digital, il faut vous dire que vous n'allez pas plaquer un processus physique dans le digital. Forcément, vous allez devoir faire des aménagements. Et donc, imaginez la transformation de votre organisation qui est possible derrière. La première étape, c'est pas la plus simple, mais en tout cas, celle qui vous permet de vous dresser un panorama, de dresser l'état des lieux. C'est d'abord l'audit interne. Si vous avez déjà un existant, quelles sont, par exemple, les pages les plus vues? Quelles sont les pages produits si vous avez déjà un catalogue en ligne qui transforme le plus? Quelles sont les pages qui occasionnent des taux de sortie? Sur quels mots-clés vous êtes déjà positionné plus ou moins, etc. Et puis, vous allez avoir la question importante de l'audit externe, où là, vous allez devoir vous inspirer des bonnes pratiques de vos concurrents, certes, qui sont peut-être plus forts que vous sur le digital, mais essentiellement, mais également de gens qui ne sont pas du tout dans votre métier. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des gens qui sont extrêmement à la pointe en avance sur le digital et qui vont vous donner de bonnes idées par analogie et que vous pourrez peut-être répliquer sur votre business model. Donc c'est cette veille concurrentielle, cette analyse de marché, l'analyse des tendances qui est ici extrêmement importante pour venir nourrir votre réflexion dans votre projet. La deuxième étape,
qui est une des étapes les plus importantes. C'est comment est-ce que je fais pour identifier, connaître et comprendre mes cibles. Vous allez me dire, facile, mes clients, je les connais, je les pratique tous les jours. Bon, détrompez-vous. Vous les connaissez certainement, mais sans doute de manière incomplète, et avec le biais qui est que vous êtes aujourd'hui son prestataire, et que forcément on ne dit pas tout à son prestataire, on ne dit pas tout à celui qui nous vend tous les jours ce dont on a besoin. Donc, sans connaître suffisamment ses utilisateurs, on court toujours le risque de construire un projet trop éloigné des attentes. C'est pour ça qu'une des recommandations essentielles que je fais toujours, c'est prenez le temps d'approfondir la connaissance de vos cibles. Je vous invite bien évidemment à regarder un webinar qui est dédié à ce sujet-là et qui va vous donner justement quelques infos sur les outils que vous pouvez utiliser. Le plus simple, le plus efficace, c'est construire un sondage en ligne. Attention quand même sur le sondage en ligne parce que la façon dont vous allez poser les questions peut induire de nombreux biais de réponse. Il ne suffit pas de poser la question « est-ce que vous aimez ma marque ou pas ?» Non, il faut réfléchir à la manière dont on pose les questions pour avoir des réponses qui, demain, sont exploitables. Vous pouvez conduire des interviews ciblés, qualifiés, qui vont permettre à vos personnes interviewées de le ressentir. Vous allez pouvoir construire des focus groupes lorsque vous essayez de répondre à des problématiques métiers, des enquêtes, des tests utilisateurs, bref. Tous ces outils-là vont vous permettre de construire, dans ce qu'on appelle notre jargon, un persona et des user journey. Ça, c'est une étape qui est indispensable, qui va vous permettre de dresser des profils types à qui vous devrez, grâce à votre plateforme e-commerce, apporter des réponses et apporter de la satisfaction utilisateur. La troisième étape, je peux avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais nombre de fois il m'est arrivé en cours de développement d'avoir des réorientations de business model et des changements assez conséquents. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas de changement, parce que bien évidemment, Amazon, Apple ne s'est pas construit en un jour et ils ont pivoté, comme on dit dans le jargon des startups, de nombreuses fois. Mais plutôt vous faites ce travail de formalisation, moins les risques d'itération sont nombreux. Ou en tout cas, vous savez clairement là où vous souhaitez aller au moment où vous écrivez ce cahier des charges. Et ça, vous avez plein d'outils méthodologiques qui existent et qui sont enseignés dans les écoles de commerce. Le business model Canva en est un. Ça va vous permettre de cartographier vos partenaires, vos activités, la proposition de valeur, les segments de marché, etc. etc. C'est hyper utile. Et puis, ça va vous permettre derrière de construire des KPI, donc des indicateurs de réussite très clés. Ces indicateurs de réussite, même chose, il y a plein de méthodes pour les mettre en place. On parle d'indicateurs SMART. En gros, il faut qu'ils soient temporellement définis, il faut qu'ils soient réalistes, il faut qu'ils puissent être suffisamment explicites, clairs, il faut qu'ils soient alignés avec la stratégie globale de l'entreprise. Mais en gros, dans votre plateforme e-commerce, vous pouvez retenir quatre grands types de KPI. Un KPI de notoriété, qui va mesurer quelle est votre notoriété intrinsèque sur le web, par exemple les mentions sur les réseaux sociaux. Vos KPI de visibilité, c'est ce que je disais en introduction, enfin un peu au début, c'est en termes de référencement, il est hyper important de viser, par exemple, 50 mots-clés en top 3 de Google. Si vous vendez des chaussures roses, il faudrait que vous soyez positionné sur chaussures roses, ballerines roses, escarpins roses, etc., etc., pour justement drainer du trafic. Le troisième grand indicateur, c'est l'indicateur de conversion. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est un truc en e-commerce qui est particulièrement important, puisque c'est le nerf de la guerre. On a tendance à dire en général, que le taux de conversion est de 3%. C'est-à-dire que sur 100 utilisateurs qui arrivent sur un site internet, j'en ai 3% qui, in fine, vont acheter. Ça va dépendre des marchés, bien évidemment, mais ça, c'est l'indicateur à surveiller comme le lait sur le feu, parce que c'est ce qui va garantir la réussite ou pas de votre business model. Et la dernière série d'indicateurs, c'est la fidélisation. Quelle est la récurrence d'achat, quel est le taux de renouvellement des abonnements, etc. etc. Alors, si on s'intéresse plus en détail sur qu'est-ce que contient un cahier des charges. 1. Si vous vous adressez à des potentiels prestataires extérieurs, donnez le cadre de la consultation. Quand est-ce que vous attendez une réponse? Qu'est-ce que vous attendez en termes de réponse? L'une des questions souvent qu'on pose, c'est est-ce qu'on demande ou pas aux prestataires de faire une créa graphique pour se rendre compte de ce qu'ils vont? À chaque fois, je fais la réponse un peu oui ou non. C'est le non, c'est que parce que je considère que souvent demander une créa graphique, c'est demander de faire un concours de dessin. Pour un prestataire qui ne vous connaît pas forcément, il peut complètement se planter. Et puis le oui, ça permet quand même de jauger de l'investissement du prestataire, de savoir s'il a vraiment compris vos besoins dans la restitution créative qu'il en fait. Donc voilà, c'est à discuter à chaque fois. Mais précisez bien les éléments de réponse.
Quelles sont les étapes prévues pour la sélection? Anticipez, dites à l'avance, ben, on va vous entendre en audition, vous allez devoir nous faire une démo pour que le prestataire sache à l'avance à quoi s'attendre et mesure l'effort qu'il va devoir fournir. Parce qu'il faut se dire aussi que quand vous avez un prestataire face à vous, ce dernier, il doit produire un effort, donc un budget, pour répondre à votre besoin. Donc, il va forcément faire une évaluation et se dire, bon, ben, quelles sont mes chances de réussite? Et par rapport à ces chances de réussite estimées, il va se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Et c'est vrai que souvent, quand on reçoit les cahiers des charges qui sont trop imprécis, trop flous, trop peu détaillés, qui ne nous donnent pas envie, en fait, on a peut-être parfois tendance à faire ce qu'on appelle un no-go dans notre jargon, parce que on n'a pas eu suffisamment d'infos qui nous ont donné envie d'y aller. Ça, c'est hyper important. Définissez aussi également vos critères de sélection. Un critère de sélection, c'est de dire j'accorde énormément d'importance à l'ergonomie, j'accorde énormément d'importance à la méthodologie. Le prix, pour le coup, est hyper important. Donnez des pourcentages. Ça permet de donner des infos claires pour savoir comment les prestataires doivent orienter leurs réponses. Et bien évidemment, préciser la date attendue de démarrage. Même chose, le prestataire saura s'il peut se positionner, s'il a les équipes pour démarrer le projet. Précisez tout ce qui a trait à votre contexte et vos objectifs. Là, c'est ce qui doit donner envie au prestataire de répondre. Qui vous êtes, ce que vous faites, votre entreprise, qui sont vos concurrents, comment vous êtes organisé, comment vous pensez l'organisation du projet tel. Est-ce que vous avez effectivement prévu de dédier un chef de projet pour piloter l'ensemble? Quels sont les délais que vous êtes fixés? Quels objectifs vous avez? Avec ces éléments-là, le prestataire va se dire est-ce que mon potentiel client effectivement est cohérent, ça peut marcher. Je dis ça parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais il faudrait que je vous les ressorte, sur un projet e-commerce qu'on lance, il y en a peut-être 80% qui n'existent plus 3 ans après. Ce qui veut dire que parfois, il arrive que le prestataire fasse un investissement important pour un projet, et in fine, que son investissement entre guillemets ne soit pas récompensé parce que le projet ne survit pas au-delà. Non pas parce que le travail était mal fait, mais tout simplement peut-être parce que le business model n'était pas bon, qu'on a eu des erreurs dans les approvisionnements, etc., etc. En gros, précisez globalement tous vos attendus, toutes vos attentes, et donnez envie au prestataire d'y répondre. Et puis un autre élément qui est important, c'est donner aussi vos informations, vos objectifs de KPI. Notamment, typiquement, quels sont les revenus que vous espérez de la plateforme à échéance 1 an, 2 ans, 3 ans? Revenus en termes de CA et en termes de marge. Ça va être aussi un indicateur très important pour évaluer le coût de la plateforme. Si vous prévoyez de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires, clairement, vous n'allez pas acheter une plateforme à 100 000 euros de développement. En termes d'investissement et de rentabilité, on est à côté de la plaque. Donc là aussi, ça va vous permettre de cibler des prestataires qui correspondent à plusieurs segments de marché. Et un autre élément qui est également extrêmement important et qui va vous donner un peu une orientation, c'est que c'est votre objectif propre de CA, de marge nette, qui doit déterminer le budget de création de votre site internet. Et ça, il y a une métrique, un funnel qui est assez simple à construire pour connaître quel est votre CA potentiel. En gros, vous allez identifier le nombre de mots-clés sur lesquels vous souhaitez être référencé, que vous allez multiplier par la position, par le trafic estimé. Ça va vous donner via un pourcentage à déterminer le nombre de visites estimées. Si derrière, vous dites, depuis un nombre de visites estimées, j'ai potentiellement 5% de gens qui mettent au panier, ben, autant de ça, ça va décroître le nombre de potentiels acheteurs, et ainsi de suite. Et ça, c'est un outil qui est hyper utile pour construire votre funnel de conversion, définir votre chiffre d'affaires et vos marges. Et à partir de là, vous allez pouvoir extrapoler, selon votre business model, quel est le budget cohérent d'investissement et quel est le budget cohérent de fonctionnement de votre projet e-commerce. Et ça, c'est une analyse, je trouve, qui souvent éclaire énormément les porteurs de projets sur le budget qu'il faut mettre. Parce que ce qui est hyper important, c'est pas se dire combien ça va me coûter, mais combien je peux mettre sur la table pour que ça marche. Vous voyez, le raisonnement, il est un tout petit peu inversé dans la méthode. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, sans forcément aborder tous les points. Vous pourrez télécharger la présentation ensuite, mais passez ensuite sur la logique de la description fonctionnelle. Qu'est-ce que vous attendez que la plateforme fasse? 1. Comment le catalogue est géré? Comment la fiche produit est gérée? Comment est-ce que je navigue entre les produits? Est-ce que j'affiche les informations de stock? Est-ce que je propose des produits? Est-ce que mes produits sont dématérialisés? Est-ce que j'ai des assemblages de produits les uns aux autres, des bundles, etc., etc. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est un peu le cœur de votre projet e-commerce. Décrivez aussi quelle est la logique d'animation commerciale. L'animation commerciale, c'est ce qui va faire que vos clients vont être plus ou moins incités à acheter vos produits. Comment vous gérez les mises en avant?
Quelles sont les promotions que vous mettez en place? Est-ce que c'est des promotions panier? Est-ce que c'est des promotions catalogue? Est-ce que c'est des franco de port? Est-ce que vous mettez en place des logiques de landing page et vous avez besoin de gérer effectivement ces tunnels de conversion? Est-ce que vous avez besoin de gérer des ventes privées, des ventes flash? Bref, toutes ces questions, vous devez vous les poser. Peut-être que vous ne les mettrez pas à T0, mais peut-être que vous les mettrez dans 1 an, 2 ans après. Donc, la solution que vous allez retenir, il faudrait qu'elles soient en capacité de le faire. Quels sont les outils d'acquisition que vous allez souhaiter mettre en place? Y a pléthore d'outils qui existent. La plus efficace, c'est la fonction de parrainage. Si tu parraines un copain, alors je t'offre ça ou tu as 20% de réduction. C'est quelle est la stratégie de contenu que vous allez mettre en place? La stratégie de contenu, on l'a vu, c'est un super levier pour générer du SEO, du référencement naturel. Et on considère que le référencement naturel, à moyen long terme, coûte beaucoup moins cher que l'acquisition payante. Est-ce que vous allez vous accoquiner avec des places de marché? Ça aussi, c'est souvent un relais de distribution qui est considérable. Est-ce que vous allez être sur Amazon? Est-ce que vous allez être sur La Redoute? Ça, techniquement parlant, il faut être en capacité de gérer les flux techniques qui permettent de s'y interfacer. La plupart des solutions le font. Est-ce que vous aurez besoin de gérer des coupons cadeaux? Et puis, surtout, précisez bien toutes vos exigences en termes de SIA. Quel est le balisage sémantique que je vais mettre en place? Typiquement, pour que j'ai effectivement des petites étoiles qui s'affichent dans mes résultats de Google. Bref, toutes ces questions-là, vous allez devoir les exposer dans le cahier des charges pour que votre prestataire sache exactement à quoi s'attendre et surtout que vous ne vous retrouviez pas à la fin du projet en disant et en fait, les riches snippets, ils ne sont pas présents là dans les références Google et que le prestataire vous dise bah, désolé, mais on n'en a jamais parlé. Quels sont les outils de transformation? Je mets en place des avis clients. On sait que les avis clients génèrent un taux de transformation bien supérieur. Qui n'a pas le réflexe aujourd'hui parmi vous d'aller voir les avis clients avant d'acheter? Est-ce que je mets en place des logiques de franco de port? Attention, il ne vous reste plus que 10 euros avant d'avoir la livraison gratuite. Il y a une étude qui est très récemment sortie sur l'impact du franco de port sur la décision d'achat. On considère, j'ai plus les chiffres, mais 70% des acheteurs sont prêts à acheter plus si on leur offre les frais de livraison. Comment est-ce que je gère mon tunnel de commande? Est-ce que, par exemple, je fais un tunnel de commande en plusieurs étapes? Est-ce que je fais un one-page checkout? Qui est un petit peu tombé en désuétude depuis quelques années. Est-ce que je mets en place des logiques de relance de panier abondé? C'est-à-dire que je détecte que vous, Marine Sorocco, vous êtes venue sur cette page pour acheter ce superbe manteau, mais je constate aussi que vous êtes partie. Peut-être que vous avez été appelée, que vous avez été distrait. Je vous renvoie un email pour vous dire, et au fait, il y a toujours ce manteau qui vous attend sur votre panier. Est-ce que vous mettez en place des chats ou des chatbots? Le chat vidéo, par exemple, aussi a un impact sur le taux de transformation. Mais bien évidemment, ça dépend du produit. Si vous vendez des légumes, avoir un chatbot, bof. Mais si vous vendez, je ne sais pas moi, de la location saisonnière, ça peut être très intéressant. Tous ces outils-là sont hyper importants à préciser parce que forcément vont impacter le budget de votre projet. Quels sont les outils d'analyse? Hyper important. Votre projet doit être en bêta permanente. En permanence, vous devez l'optimiser. Si vous avez prévu 100 en termes de budget au lancement, prévoyez 50 pour l'année qui suit. Parce que ça va vous permettre d'optimiser votre dispositif. Et pour ça, vous allez avoir besoin des outils pour le mesurer. Google Analytics est notre meilleur ami. On pourrait parler un petit peu des questions RGPD et puis sur le fait que Google Analytics est un peu mal ces derniers temps. Est-ce que vous faites des tests AB pour vérifier si le bouton rouge est mieux que le bouton bleu? Est-ce que vous mettez en place des tests utilisateurs? Tous ces outils-là sont nécessaires pour vous pour être dans une logique d'optimisation permanente. Et puis, plein d'autres fonctionnalités. Décrivez votre arborescence, les gabarits. Est-ce que vous avez besoin de gérer les contenus? Est-ce que vous avez besoin de gérer un blog? Est-ce que c'est une boutique multilingue? Est-ce que potentiellement vous avez plusieurs boutiques à partir d'un même back-office? Est-ce que vous voulez mettre en place une marketplace vous-même? Est-ce que vous devez gérer des retours, le fameux RMA? Et ça, c'est souvent compliqué et ça occasionne souvent des frais assez conséquents. Est-ce que je proposais de la comparaison de produits? Quelles sont les fonctionnalités que vous allez proposer dans l'espace client? Toutes ces questions-là, elles devront avoir une réponse dans votre cahier des charges. Précisez également ce que vous attendez en termes d'UX, d'expérience utilisateur et de graphisme. Donnez au prestataire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Indiquez-lui si vous avez besoin de son aide pour construire des parcours utilisateurs, pour poursuivre l'analyse des cibles que vous n'avez pas tout à fait finalisées. Posez-vous la question de dans quel cadre l'ergonomie est-elle essentielle? Si vous avez un business model hyper innovant avec un service qui n'est pas encore connu sur le marché, vous allez devoir faire preuve d'énormément de pédagogie et l'ergonomie là-dessus est clé. Ce qui sera peut-être un peu moins difficile sur un site classique de vente de produits où les codes de transformation sont assez clairs. Toutes ces questions-là, posez-les-vous et dites-vous, est-ce que j'ai besoin de ça maintenant ou peut-être plus tard?
N'oubliez pas de décrire vos exigences techniques. Souvent, c'est un peu la partie qu'on oublie dans un cahier des charges. Décrivez quelles sont vos exigences en termes de performance. À quelle vitesse je veux que s'affiche ma page d'accueil? À quelle vitesse je veux que mon résultat de recherche s'affiche? Est-ce que le responsive web mobile est important? Alors, je vous dirais, bien sûr, c'est vital. Plus de la moitié du commerce en ligne français se passe sur mobile. Mais ça va dépendre de vos cibles. Ça va dépendre de ce que vous vendez. J'ai peu acheté un bouquin via mon téléphone mobile parce que ça me coûte pas cher, mais peut-être que l'achat d'un appartement, je vais me poser le soir chez moi. Donc, encore une fois, ça dépend de vos cibles. Puis, posez-vous la question, quelle est la méthodologie de conception que je veux? Est-ce que je veux faire ce qu'on appelle du mobile first? Quels sont vos enjeux en termes de sécurité et de respect du RGPD, la confidentialité des données? Ça, c'est clé demain. C'est absolument vital. Vous n'avez plus le droit à l'erreur sur la gestion des données personnelles et sur la sécurité. Pourquoi? Parce que votre plateforme tombe en carafe, c'est votre business qui s'écroule. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous payer maintenant des amendes assez conséquentes de la CNIL. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'inspecteurs CNIL qui sont répartis sur tous les territoires, et pour l'instant, ils se sont que attaqués à des grandes enseignes, mais on va quand même dans cette direction-là. Et au-delà de la peur du gendarme, c'est aussi une question de notoriété. Avec quels outils vous allez avoir besoin de vous interfacer? Ça, il va falloir le décrire très précisément, parce que cet interfaçage de flux coûte parfois en développement. N'oubliez pas également, si vous êtes dans le cadre d'une refonte, ce que vous allez devoir reprendre. Est-ce que je reprends que le catalogue? C'est généralement ce qui est le plus simple. Parce que généralement, les solutions que vous avez, elles vous permettent à minima de faire un export, et c'est assez simple. Mais est-ce que je reprends aussi les commandes? Ça devient un petit peu plus compliqué. Dans la commande, qu'est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends toutes les lignes de produits ou pas? Est-ce que je reprends les comptes clients? Avec éventuellement les promotions, les coupons de réduction en cours. C'est sur ces deux derniers sujets, parfois ça peut vite monter cher si votre solution est un peu vieille. Posez-vous la question de quel hébergement technique je veux. Est-ce que j'attends que le prestataire porte seul la casquette et dirige tout? C'est souvent une solution de tranquillité. Ou est-ce que vous passez un appel d'offres à côté? Ou est-ce que vous avez déjà un prestataire d'hébergement à côté? Précisez également, alors c'est pas une obligation, mais si vous connaissez les deux sujets entre l'agilité ou le cycle en V, précisez aussi ce que vous vous attendez. Parce que vous avez des prestataires qui sont très bons en agilité et très mauvais en cycle en V, et vice versa. Et des prestataires qui font un peu des mix des deux. Ça, c'est hyper important parce que ça va peut avoir un impact fort sur votre organisation, votre propre organisation, et bien évidemment sur le budget que vous allez prévoir, anticiper à ce sujet-là. On pourra en parler un petit peu plus en détail si vous le souhaitez. Et puis, il faut aussi vous poser dans ce cahier des charges la question de « et après ?» Quelle est la durée de garantie que je demande à mon prestataire? Généralement, j'ai tendance à dire 3 mois, c'est trop court, 6 mois, c'est bien, 12 mois, le prestataire va forcément vous la faire payer à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que j'attends de sa part en termes de contrat de maintenance et délai d'intervention? Demandez-le dès maintenant dans le cahier des charges. N'attendez pas que le projet soit sorti. C'est beaucoup plus simple de le négocier en amont, de dire que, par exemple, quand j'ai un bug bocon, il faut que le prestataire intervienne en 4 heures, que de le négocier une fois que le site est sorti. Quel est le support qui vous est proposé? Est-ce qu'il y a du support téléphonique? Est-ce que c'est uniquement du support mail? Et aussi, quel est le dispositif que votre prestataire actuel peut vous proposer pour accompagner l'optimisation du projet? Voilà un petit peu toutes les questions aujourd'hui qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre pour un cahier des charges. Voilà, je vous remercie à tous de votre participation. J'espère que les éléments ont été relativement clairs. Il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez vu, à aborder. Je n'ai pas pu forcément tout détailler. Je vous invite à télécharger ce document et à aller voir les renvois lorsqu'ils sont proposés. Et je vous propose le 1er octobre prochain de poursuivre l'expérience e-commerce en s'attachant un petit peu plus aux questions de l'expérience d'achat. Quelles sont toutes les méthodes, trucs, astuces, bons plans pour proposer une expérience d'achat la plus fluide possible et donc directement impacter votre taux de transformation. Et puis, démarrer une session de webinar à partir du 22 octobre autour de votre stratégie de content marketing et de comment est-ce que je fais pour bien écrire pour le web. Voilà pour ces prochains webinars. Merci à tous de votre participation et je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Et j'oubliais d'ailleurs, vous allez recevoir dans le mail de confirmation à la fois le téléchargement de ce webinar et également un lien de téléchargement vers un modèle de cahier des charges. Si vous souhaitez le faire tout seul, mais avec plaisir, on vous accompagnera.
Merci Corinne. Clémentine, combien de temps cela prend environ de rédiger seul un cahier des charges? Je vous réponds au doigt mouillé. Vous me demanderiez à moi de rédiger un cahier des charges pour mon projet. Si je connaissais hyper bien le business model, etc., ce qu'il faudrait faire, je vous dirais, bon, une semaine, c'est fait. Après, le problème, c'est que le cahier des charges, c'est un peu un cercle. C'est que en écrivant le cahier des charges, vous allez vous poser des questions sur votre business model, etc., etc. Tout dépend des éléments que vous avez préparés en amont. Est-ce que vous connaissez vos cibles? Est-ce que vous avez déjà une idée très précise? Je suis désolée, Clémentine, mais votre question, il faut que je sache où vous en êtes aujourd'hui pour vous, peut-être vous apporter une réponse. Bonne question, Séverine. Au niveau de la TMA et de la négociation, quel est le pourcentage qu'on peut accorder sur la totalité d'un budget sur un contrat? Si je comprends bien votre question, c'est vous dire quel est le pourcentage que j'ai en TMA par rapport au budget total. Alors, par exemple, chez nous, chez Adimeo, généralement, on est entre 8 et 12% du forfait de TMA pour un budget donné. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En gros, si j'ai un budget de 100, ben, mon budget de TMA correctif sera entre 8 000 et 12 000 euros. Voilà, c'est des ratios. Ce qui va faire varier les ratios, ça va être par exemple, est-ce que j'ai beaucoup d'interfaces techniques à des solutions tierces? Ça, ça fait gonfler parce qu'on sait toujours que c'est source de manie de problèmes. Est-ce que j'ai un développement qui a été fait de manière très spécifique ou est-ce que j'ai réutilisé toutes les fonctionnalités d'un produit de manière native? Donc, auquel cas, théoriquement, j'ai pas beaucoup de problèmes à attendre. Voilà ce qui peut faire varier un peu les budgets. Comment connaître le taux de conversion de son secteur? Alors, il y a un organisme qui s'appelle la FEVAD, qui est la Fédération de la Vente à Distance, si je ne dis pas de bêtises, et qui produit de super chiffres tous les ans, secteur par secteur. Ce que je sais depuis peu, c'est qu'ils ont quand même pas mal restreint les droits d'accès à leurs ressources. Et je pense qu'il faut être membre de la FEVAD maintenant pour accéder à ça, secteur par secteur. Mais je n'ai pas de certitude. Ça serait le bon exemple. À mon avis, c'est le seul que je connaisse aujourd'hui. Et après, vous pouvez aussi travailler avec un outil qui s'appelle SEMrush, qui va vous donner... Alors, c'est l'extrapolation, mais ça nous arrive déjà de travailler là-dessus. SEMrush va vous donner, pour un site concurrent donné, vous allez prendre 5-10 concurrents chez vous, le nombre de visiteurs, et vous allez pouvoir comparer éventuellement avec des données de chiffre d'affaires ou autre. Ça va vous donner quelques indications de ratio. Alors... Corinne, est-ce une faute du prestataire d'écraser les contacts de l'ancienne boutique? Ou fallait-il le préciser lors du cahier des charges? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Je dirais, effectivement, le prestataire ne vous a pas posé la question. Donc c'est une faute. Il aurait dû vous poser la question. Attention, si je fais cette manip-là, je risque d'écraser les contacts. En revanche, effectivement, si vous n'avez pas prévu dans le cahier des charges, vous n'avez pas dit, attention, il faudra bien veiller à reprendre tous les contacts, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire, qui me dit mot ne peut contester que le prestataire n'aurait pas dû l'anticiper. Donc oui, il aurait fallu idéalement l'anticiper. Après, le prestataire, théoriquement, aurait dû vous prévenir. Il faudrait peut-être que je connaisse un peu plus les conditions dans lesquelles ça s'est produit. Est-ce qu'il a fait une erreur manifeste ou est-ce que juste vous n'avez jamais parlé de reprendre les anciens contacts? Je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que j'ai quelques plus de détails pour vous dire exactement ce que j'en pense. Mais Corinne, pour le coup, pour ne pas vous rassurer, cette question de reprise de l'existant est toujours une solution compliquée dans les projets. Compliquée, j'entends techniquement, parce que parfois c'est pas simple, surtout quand on passe d'un système à un autre. Alors, nous avons énormément de soucis en Sénégal à faire rédiger un cahier des charges au porteur de projet. Avez-vous fait face à tel client et que conseillez-vous pour une meilleure prise en charge? Alors, là, c'est là où interviennent souvent ce que j'appelle des prestations de type AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est le job, c'est ce que je fais assez souvent pour certains de mes clients, où en fait, je les prends par la main. C'est-à-dire que je fais des ateliers, je fais des réunions. En fait, grosso modo, je rencontre toutes les parties prenantes, dont le porteur de projet, qui n'a que à échanger, dialoguer avec moi, répondre à mes questions. Et ensuite, la rédaction du cahier des charges, je l'externalise. C'est-à-dire que c'est moi, mes équipes qui le font, de façon à pouvoir mettre noir sur blanc ce qui m'a été dit par le porteur de projet. Dans ces cas-là, c'est la seule solution, souvent, pour arriver à faire ce genre de choses.
Et après, il y a plein de méthodes annexes, hein, mais je m'étalerai pas là-dessus. Alors, Trustpilot, Corinne, c'est une gestion d'avis client. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trustpilot va vous coûter forcément un peu d'argent. Alors, il y a un coût d'abonnement en fonction du nombre d'avis, etc. Je n'ai plus en tête leur budget. Ce que j'ai tendance à dire sur les avis clients, c'est que c'est totalement rentré dans les mœurs aujourd'hui. Encore une fois, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, je n'ai pas les chiffres, il faudrait que je vous les ressorte, mais qu'en gros, l'usage des avis clients avant d'acheter est tel que vous améliorez de manière considérable votre taux de transformation. Donc, et comme Trustpilot fonctionne sur un principe d'abonnement qui est proportionnel au nombre d'achats, bah de facto, Trustpilot, même sur une petite boutique, pourrait être intéressant. Après, je sais que Trustpilot est assez cher et une autre solution comme Avis Vérifié l'est un petit peu moins. Donc, regardez du côté d'Avis Vérifié. Je vous déconseillerais Bazar Voice, qui est beaucoup plus orienté vers des plus grosses solutions si vous êtes sur une petite boutique. Et en plus, c'est des Américains avec parfois des process un peu compliqués. Si je réponds à votre question, vous me dites, Corinne. Annie, est-ce que l'on aborde les notions d'hébergement dans le cahier des charges ou ce point doit faire l'objet d'un cahier des charges séparé? Annie, c'est comme vous voulez. La gestion de l'hébergement, même si nous-mêmes ne sommes pas hébergeurs, ça fait toujours partie des choses classiques qu'on doit gérer. Si vous ne voulez pas vous embêter, si vous ne connaissez pas le truc, j'aurais un conseil, mettez les questions d'hébergement dans le cahier des charges. Ça vous épargnera de plus une gestion de prestataires différents qui vont parfois se renvoyer la balle. En revanche, si vous avez des spécificités, je sais pas, donc, par exemple, vous hébergez des données de santé ou vous avez d'énormes volumétries, oui, dans ces cas-là, ça mériterait un cahier des charges séparé et de faire appel à quelqu'un de dédié. Mais voilà. Samuel, une question. L'ensemble des éléments que vous avez indiqués devront être mis en place dès le départ de la plateforme. Quand vous dites l'ensemble des éléments, c'est-à-dire les fonctionnalités que j'ai évoquées, si c'est ça votre question, je dirais non. Les fonctionnalités que j'ai évoquées, elles n'ont que vocation ici à donner un peu des exemples ou des choses que vous pourriez implémenter. Encore une fois, tout dépend de votre business model. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, ou si c'est OK pour vous. J'espère vous voir le 1er octobre prochain sur le prochain webinar. Et je vous dis donc à très bientôt s'il n'y a plus de questions. Ah, Samuel. Ah, vous parlez de la fourchette? Ah bah, la fourchette, ils ont un business model particulier dans le sens où c'est eux qui se font l'intermédiaire de paiement très souvent. Je vous avoue que je n'ai jamais été amené à intégrer les avis de la fourchette sur un site. Sans doute parce que j'ai pas géré, je ne crois pas avoir géré de site de gastronomie pure. Ça mériterait peut-être creuser en faisant un bench sur ce que font des sites de gastro. Voilà. Petite réponse, je ne suis pas très pertinente, je pense, sur cette question-là. Alors, Séverine, vous avez le support, est-ce qu'il est intégré dans la théma ou à part? Bonne question aussi. Il faut le préciser. Il faut complètement le préciser. Il faut vous préciser que dans le forfait théma, vous attendez un support téléphonique, vous attendez un support mail avec un délai de réactivité de 1 heure avec le fait d'avoir une hotline. Ça va impacter aussi beaucoup le type de prestataire. Je m'explique, si vous prenez une petite boîte, une petite agence ou une freelance ou que sais-je pour développer votre projet, lui ne pourra jamais, ou alors c'est qu'il vous ment, hein, clairement, il ne pourra jamais proposer un support de 9h à 18h tous les jours parce qu'il n'y aura pas assez de monde pour y répondre. Donc précisez-le et précisez ce que vous attendez en termes de délai de réactivité. Zana, dans le cas où notre solution interagit avec d'autres applications, comment je peux qualifier l'engagement sur la nouvelle solution? Est-ce que Zana, vous voulez dire dans ce cas-là, par exemple, le délai d'affichage d'une page, sachant que la page doit appeler une API tierce pour répondre? Si c'est ça, votre question est tout à fait pertinente parce que c'est un enjeu très important et qui souvent est source de conflits ou de discussions dans un projet. Effectivement, le prestataire ne peut pas vous garantir un engagement de temps de réponse si l'API qui est censée le fournir répond en plus de 5 secondes. Dans ce cas-là, vous pouvez mesurer ça un tout petit peu différemment. Vous pouvez lui demander de faire ce qu'on appelle des appels asynchrones pour mesurer ça. Mais encore une fois, il faut préciser les périmètres de responsabilité. Voilà, après, il faudrait voir sur quel sujet
ça porte. Parce que souvent, dans ces cas-là, on a tendance à prévoir des architectures techniques justement asynchrones qui permettent de pallier ces difficultés d'accès à l'API. Séverine, je crois que j'ai répondu à votre question. Annie, la question de Samuel est, faut-il gérer les avis sur son propre site ? Ah, vous voulez dire que vous-même, vous implémentiez une solution d'avis sur votre propre site ? Alors, oui, tout à fait, c'est une solution dégradée. Vous pouvez tout à fait imaginer qu'il y a plein de modules qui existent d'ailleurs sur les solutions de commerce, hein, de gestion d'avis internalisé au site. Ce qui est vrai, et ça je le constate, c'est que, et vous-même vous pouvez peut-être déjà le constater dans vos pratiques, c'est qu'on est aujourd'hui habitué aux avis vérifiés, Trustpilot, etc. Et on y accorde beaucoup plus de crédit parce qu'il y a eu tellement de scandales sur des traficages d'avis en tous sens pour surévaluer certains produits que c'est effectivement important d'avoir souvent des sources externes de vérification. Et Zana, quand vous me dites c'est de la récupération de données, il faudrait que j'ai plus de billes. Pour savoir exactement ce qui peut être de la responsabilité de qui. Récupération de données pour afficher un catalogue, récupération de données pour afficher un prix, récupération de données pour transmettre des infos logistiques. Pour transmettre des données logistiques. Donc, si je comprends bien, Zana, c'est votre logisticien qui a une API qui permet de fournir les infos logistiques. Vous ne pouvez pas en vouloir votre prestataire. Clairement, je ne sais pas, est-ce que c'est l'info qui s'affiche, par exemple, sur la page de choix de livraison et on remonte les informations de délai de livraison après avoir fait un appel à l'API pour connaître le délai ? Là, clairement, ce n'est pas de la responsabilité de votre prestataire. Et je dirais même, pour moi, il n'y a pas de palliatif possible pour essayer de faire de l'asynchrone, puisque vous avez besoin des informations que le client vient de rentrer pour pouvoir faire le calcul. Donc, et pour le coup, si je puis me permettre, c'est plutôt votre prestataire logisticien à qui vous devriez peut-être remonter cette incohérence, parce que si c'est un prestataire logisticien e-commerce, théoriquement, il doit pouvoir fournir une information fiable et rapidement via son API. Bref, je ne connais pas votre contexte, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais voilà. Ok. Ben, merci à tous encore une fois. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.